I don't have an alligator in my sewer. Bon, lui, il a trouvé un alligator dans ses égouts. Ouais, ça va, par rapport à quelqu'un qui a 45 cobras dans sa maison, ça n'a rien à voir. Personnellement, j'aime pas tout ce qui est serpent, scorpion, mégale, araignée, tout ce qui fait merle, tout ce qui fait mal et tout ce qui mord, j'aime pas. Voilà, bref, la famille, dites-moi aussi quel est l'animal que vous détestez le plus, qui vous fait peur justement et qui vous avez telle phobie de tel animal. Moi, personnellement, tout ce qui est scorpion, je vous ai dit, voilà, j'aime pas, personnellement. Bref, aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer dans le titre de la miniature, on va découvrir quelque chose que certaines personnes ont trouvé chez eux. Oui, quelques animaux assez dangereux quand même. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum et d'émettre votre plus gros pouce bleu. C'est la récompense, comme d'habitude. Puis bah, let's go. Bon visionnage aussi à tous. La séquence fait froid dans le dos. Alors qu'il était en train de dormir paisiblement sur le seuil d'une maison située à Gujarat en Inde, un chien a été attaqué par un léopard affamé. Sur les images de la vidéo surveillance publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir le félin s'approcher doucement sous le porche tout en rugissant avant de se jeter soudainement sur sa proie. Mordu au cou, le chien a réussi à se libérer des crocs de léopard avant de s'échapper. Bien déterminé, le félin a ensuite pourchassé le chien sur plusieurs mètres. Les deux animaux étant sortis du cadre de la caméra, les images ne permettent pas de dire si le chien a survécu ou pas. Un mamba noir a été retrouvé caché dans un canapé à Durban en Afrique du Sud. Il a fallu plus de 15 minutes au receveur de serpents Jason Arnold pour attraper le serpent de 2,1 mètres de long. Le serpent a été relâché peu de temps après sa capture. Il faut savoir que le mamba noir surnois a été retrouvé caché dans un canapé dans une maison des Newlands. Et lorsque le vétéran de la trappe serpent est arrivé à la maison, il lui a fallu plus de 15 minutes pour localiser la créature glissante. Et il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait le serpent. Il aurait pu mordre à tout moment. Il a dit qu'il était courant que les mamba noirs fréquentent la région de Newlands. Ils sont assez communs de ce côté-là. Tout comme le cobra cracheur du Mozambique, les additionneurs de nuit, ainsi que les serpents inoffensifs tels que le bison tacheté et le serpent domestique brun. Et dans la séquence du vidéo de la capture, Arnold peut être vu en train d'essayer d'attraper la créature lisse avec une paire de pinces. Et après quelques minutes de lutte, il parvient enfin à maîtriser le serpent. Peu de temps après la capture, Arnold a relâché le serpent de 2 mètres dans la brousse. À l'approche de la saison des fêtes, il met en garde contre les gens qui prennent les choses en main lorsqu'ils ont affaire à des serpents. Si vous avez déjà eu affaire face à une souris embêtante dans votre espace de vie, vous savez à quel point qu'il est peut-être ennuyeux d'essayer de s'en débarrasser. Bien que vous devriez être tranquille, sachant qu'une petite souris n'a rien comparé au spectacle d'horreur qu'un propriétaire de Texas a récemment rencontré après avoir appris qu'il y avait 45 serpents à sonnette venimeux campés sous leur maison. Alors qu'il tentait de réparer une ligne de câble sous sa maison, il est tombé sur ce qu'il pensait être quelques serpents dans son vide sanitaire. Comme c'était le pays des hochets, la découverte n'était pas si inhabituelle. Mais comme le ferait toute personne craignant les serpents et dotée de bon sens, il a appelé une attrape serpent locale. Une fois que le receveur de serpents est arrivé, il est allé en dessous pour enquêter. Et c'est à ce moment qu'ils se sont rendus compte qu'il avait beaucoup plus que quelques spécimens rampants. En fait, à Hawkins, on a trouvé près de 45 qui se cachaient là-bas. Et dans les clips de 18 minutes publiés sur la page Facebook, vous voyez non seulement la minuscule armée des reptiles qui auraient été des diamondbacks occidentaux se cacher dans l'obscurité, mais vous pouvez en entendre un certain nombre de cliquetis. Une famille d'ours, dont 5 oursons et leur mère, ont emprunté la piscine d'une famille du New Jersey pour se rafraîchir du temps chaud. Compte tenu de températures de plus de 25 degrés dans l'état et du taux d'humidité élevé, il n'est pas surprenant que les ours aient voulu nager, glisser sur un toboggan et peut-être prendre un bain. Ils ont choisi le pittoresque canton de Rockaway pour leurs vacances, bien que leur lieu de prédilection soit la cour arrière des Timbasso. À un moment donné, un ours prend les jouets gonflables de la jeune fille dans sa bouche et la fille crie, alors que les ours jettent la plupart des jouets hors de la piscine. Il procède à faire sauter plusieurs objets gonflables dans la cour, entre les deux jouant avec la balançoire. À un moment donné, la fille hurle alors que la mère ours fait glisser une pompe de piscine dans l'eau avec son câblage électrique et les ours ne semblent pas avoir été blessés. Finalement, les ours remontent par-dessus la clôture et disparaissent, laissant derrière eux l'épave d'une douce fête au bord de la piscine et une brume brune dans la piscine. Aucun propriétaire ne veut être surpris par une infraction, mais une Floride de 77 ans s'est réveillée tôt
pour trouver un alligator de 11 pieds dans sa cuisine. Et la propriétaire de 77 ans s'est réveillée vers les 3h30 du matin au son d'un grand accident de son domicile à Clearwater, en Floride. Lorsqu'elle est allée enquêter, elle s'est retrouvée face à face avec le grand reptile. Et l'alligator mâle est entré par effraction par certaines fenêtres basses de la cuisine. Et selon la police, un trappeur a été appelé et a sorti l'animal en toute sécurité de la maison sans aucune blessure. Plusieurs bouteilles de vin ont été renversées par l'alligator. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, bah écrivez-moi dans l'espace commentaire le mot cobra afin de savoir combien de personnes, excusez-moi, ils n'arrivent plus à articuler en ce moment quoi là. Je vous garantis même, quand je parle dans mes vidéos, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque dans ma bouche. Alors que dans la vie normale, bah je parle normal, hein. Je sais pas. Sauf que quand je fais des vidéos, je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas. Bref, écrivez-moi le mot cobra afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Et ça fait plaisir que vous finissiez mes vidéos. La famille, c'est là où on se pose la question. Franchement, est-ce que vous aimeriez vous retrouver face à face avec un de ces animaux? Serpent, cobra, alligator, léopard. Le moment du rencontre, déjà, ça va être un choc émotionnel. T'es là, tu claps. Tu dis où? En fait... Tu peux pas réfléchir à ce moment-là. La seule chose, c'est tailler. C'est de se barrer. Parce que là, tu vas collapser direct. Tu te dis, je fais quoi? Je recule, il va m'attaquer. J'avance, il va m'attaquer. Tu sais, c'est... Il y a un... Je sais pas, c'est... Tu te sens gelé sur place. T'imagines? Des choses que tu le vois dans la télévision. Alors que là, tu es en mode, ok... Là, tu es devant moi, quoi, c'est waouh! Et personnellement, j'ai déjà rencontré des serpents, j'ai déjà rencontré des scorpions, pas ici en France, bien évidemment, en Île-de-France, à Paris, bah, pratiquement, il n'y a rien. Mais en Tunisie, oui. Oui, j'ai déjà rencontré, quand je vivais là-bas, en Tunisie, quand j'étais petit, j'ai déjà rencontré des scorpions, à l'appel, hein. Des serpents, j'en ai rencontré dans ma vie, allez, je peux vous dire, 5-6. Mais j'étais pas tout seul en tout cas. Il y avait toujours des gens avec moi qui l'ont essayé soit de tuer, soit de l'attraper. Mais voilà, c'est toujours un choc émotionnel. Oh, on est bien d'accord. J'aimerais bien vraiment. J'aimerais pas le rencontrer. Voilà, famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager au maximum. Hein. Et puis, mettre un gros pouce bleu sur la récompense, comme je dis toujours. Puis bon, c'est tout pour moi. C'est tout pour Jericho aujourd'hui. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho. Bye bye, ciao. Je vous aime tous, mes frères et sœurs.